L'expérience de la vie. Restaurant Boutalombi na Château Rouge. Ada Kikambala, Chris Makema. Françoise Loufalo, Rosanze Tamila, Eka. Akayo Matonga, Kamako Kolobalia, Kikongwe Sala Moussala, Mabe Amila, Eleni Sena Moussaka. Françoise. Alegria Makaya, Nelly Mondouza. Hello la famille, hello les popilogues. J'espère que tout le monde a encore son sourire malgré ces climats de froid. Donc pour bien célébrer Noël, retrouvons-nous ce 24 décembre 2022 pour rallumer les étoiles avec la Rumba Love, la pure Rumba Love, chez Djonga 2, Djonga 2 vers Orly, pour danser, célébrer Noël avec la Rumba pure Rumba Love. Nguya, Nguya, Nguya toujours. C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi, je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi, j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oeza 12D, Oeza 13, Neo Tam Tam Nde, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus. Sur vous, Double King, le maître de double demeure, Boss Yamoka. Jacques Pemba.
Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga, hey yeah! Restaurant chez Djonga, nouvelle formule, oye ye li sou sou na makambu ya sika. C'est-à-dire que, awa, ba fandi sa akei na niveau ya deux fois te, surtout que, bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti, bazali na plus de 80 places assises. Mais, kote ya bilubu, enga ye! Awa ba fandi sa spécialité ya bilubu nyonso, eza l'Africain, to européen, kasi, pona ba congolais, fanda na onye po awa, okolia po kukata mousapi. Yon mouton gosa sa fête anniversaire, baptême, mariage, conférence, to réunion moko boye, yaka awa na restaurant chez Djonga, oyo, ba fandi sa masolo tu, joli kitoko, na service ya kalite. Pona bilubu elamba maka awa, yon mouton lingosa la emporte, ndengo sali commande, kaka sikoyo sikoyo, balambe liyo, maramoko mbalamoko, pe oziangoza mubimba. Restaurant chez Djonga, ezo fongoma tous les jours, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, à partir ya 8h ngingo, ozamo bimba. Oyo, adresse nango, ezo amina 4e rue. François, Villon, 94, 230, Cachan. Pona bato, oyo, wengbosa la, commande, to réservation, okoyoko benga na numéro ya téléphone, oyo. Malolo. Oui, frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. Le tata King, c'est Djonga. Chez Djonga. Restaurant chez Djonga. Yangonde Fandisi Biloubutu. Awa, Nakati à Paris, Pena Mokil Mobimba. Et Okan. Dans l'espace musical, dans l'univers musical de notre pays. C'est quelqu'un qui a marqué l'époque et au-delà. Il a aidé les artistes, il a été à la base de la création de beaucoup d'orchestres qui ont connu du succès. Et cette culture qui a été souvent, critiquée, on a toujours voulu salir sa réputation, mais c'est un grand monsieur. C'est l'un des premiers artistes congolais à avoir bâti sa vie, notamment avec son immeuble
révélateur que nous connaissons. Il a aidé vraiment tous les artistes de Kiam, Moussifi, Kouba Kouba, Kofi Olomide, Historia, j'en oublie les meilleurs. Je voulais juste dire ici mes condoléances à sa famille biologique. Mes condoléances sincères, je leur envoie des vibrations positives. Je les exhorte au courage, je connais quelques-uns de ses enfants. Et je voulais demander très pieusement à notre Créateur, qui est là-haut, de prendre soin de lui. C'est un monsieur qui savait se débrouiller, il se battait, il avait même à l'époque. On a toujours voulu salir sa réputation, mais je comprends aussi. C'est le premier artiste congolais à avoir bâti sa vie, notamment avec son immeuble de Vécenteur que nous connaissons. Il a aidé vraiment tous les artistes de Kiam, de Sifi, Kira Kuba, Kofi Olomide, Historia, ils ont été les meilleurs. Je voudrais juste dire ici mes condoléances à sa famille biologique, mes condoléances sincères, je leur envoie des vibrations positives, je les exhorte au courage, je connais quelques-uns de ses enfants, et je voulais demander très pieusement à notre Créateur, qui est là-haut, de prendre soin de lui. C'est un monsieur qui savait se débrouiller, il se battait, il avait même à l'époque une usine de fabrication de CD, de cassettes, etc., etc. Donc, je dis mon respect, ma gratitude sincère à M. Georges Kiamanga Namateta. Je l'appelais patron, et c'est la seule personne au Congo que moi j'ai jamais appelé patron. Donc, qu'il repose en paix. Il aura toujours notre amitié, notre reconnaissance, et je suis certain que Dieu lui donnera la meilleure des places à ses côtés. Merci beaucoup. Yamungana VVV, Okinamalamu, Zanzela, Nabisoni Soto. Vous pouvez m'appeler à mon retour. Merci, merci, merci à vous tous. Notre ambassadeur, Kofi Olomide. Nous vous remercions, Kofi Olomide, pour ce témoignage en hommage, en mémoire du PDG Verdis Kiamanga Namateta. Et nous invitons l'ingénieur Blaise Bouda pour le témoignage. Kabala King, Kofi Olomide. La part positive du PDG Verdis dans l'ascension du 13e. Les gouvernants les plus compétents selon l'histoire de notre pays, Gentini Mobina Maka. A eu un grand événement cette année, le concert de Retrouva avec en tête Amadou Tchabi, tout le corps est réuni sur la même podium 25 ans après. Et il y a 25 ans, ils étaient aussi quelque part. Laisse vous la dire. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, là on voit notre ambassadeur Kofi Olomide avec le gouverneur le plus compétent selon l'histoire de notre pays, qui est Gentini Ngobila Mbaka, bravo, Kingo Peto et Simba, merci beaucoup. Toujours Elenga Congo Télévision en direct du Palais du Peuple. Donc on est là pour les obsèques de Kiamanga Namateta. Les gouverneurs. Alain Makaba, Matana Voyage. Adolphe Tata Mobile, Azawaz. Pour dire, Rigné Musique est un représenté valable. Naé Awa, au pays de mon témoignage, mon aîné, na Oya Tikibiso, Papa Nabiso. Non seulement, Nada Papa Nabiso, na Néméa, musique, mais Azapé Papa et ma camarade Nabiso. Ou pas, Nanaé Mion, surtout, Azaba Ninga, autre colonne à Bandou.
kombo oyisana na mboka na biso et to rayonna na mboka mobimba na monde entier, c'est grâce non seulement à l'instrument mais aussi à l'accompagnement à salle au VV Center pour qu'il professionnalise la biso bana pour bana ya bona instrument solo pour beta ya moi pa ya papa Virkis. Il y a un moment les lots jamais gotika. Il y a un moment où même maintenant, même de l'État, fait que vous avez dit la gotika est la combo, la clan, la musique, et la combo, il y a union, il y a la musique, il y a aussi. Merci Christos pour nous amener, il y a aussi pour nous amener. En tout cas, pour l'artiste, on a bien amené, on y est au cas de l'État, l'église, on a bien amené, on a bien amené, on a bien amené. Il y a Remercions l'ingénieur Blaise Boulin qui venait de prendre la parole au nom du clan Ouïghour. Très respectueusement, nous invitons le premier citoyen de la ville de Kinshasa, le gouverneur Jean-Tini Mbaka Ngobila, venu ici à l'esplanade du Palais du Peuple, rendre un dernier hommage, un vibrant hommage à ce Kinois qui vient de nous quitter. Nous avons cité Georges Kamangala Mateta, PDG Virkis, patron des éditions VV, qui a été à la base de l'ascension pratiquement de la rumba congolaise au travers de sa maison, monsieur le gouverneur. Les gouverneurs les plus compétents selon l'histoire du pays. Jean-Tini Ngobila Mbaka, papa n'a pas mis sa raille, n'est pas pour l'outou, n'a mon à la haute, les gouverneurs les plus compétents, le maire gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila Mbaka, le dernier hommage à rendre au PDG Virkis Kamangala Mateta, l'homme au poumon d'acier, comme l'aimait l'appeler, un véritable Kidoa. On a cavé et aujourd'hui, on a le premier hommage, un dernier hommage, bien habillé. Oh, où t'as dit? Y'a sur la télévision. Ah, le ah, on l'a dit bien. Bah, ministre, elle va qui connaître, son bagage est bon. Ah, ah, la vie de 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 la de l'amour que vous êtes, vous êtes, et Georges Kamangana Mateta, que j'appelais très souvent d'ailleurs Revenant Zimba. Il est très difficile de parler de quelqu'un qu'on a côtoyé d'ici près. Il est très très difficile de parler de quelqu'un qui a marqué l'histoire de notre musique. Et quelqu'un qui s'est présenté sous plusieurs facettes dans tout ce qu'il a fait pour l'avancement, pour l'accomplissement de notre musique. Alors je vais essayer tout simplement ici de parler de cette histoire, de ce début dans la musique et de tout ce qu'il a accompli pour TV. Georges Kamangala Mateta, alias VV, est un né Congo de souche Mwisi Ngombe.
son premier contact avec l'instrument de musique s'effectue à travers la fanfare de l'église cumaniste du prophète Simon Kimbamba. Kiamangana s'y exerce d'abord à la flûte avant de choisir définitivement le saxophone ténor. Dans le village Mboué, où il grandit, l'enfant partage ses loisirs avec Daniel Dessa, un cousin lointain. Par la suite, Georges Kiamangana Mateta gagne Kinshasa et poursuit ses études à la Cité Royale. Ici, à l'âge de 10 ans, incorporé dans la fanfare humaniste de Kinshasa, Kiamangana Mateta y évolue d'abord comme flûtiste, parce que ça veut bien manier la flûte, et puis le saxophone. Il s'y applique avec ferveur et apprend les ficelles de l'instrument. En 1961, à l'âge de 17 ans, Verkis Kiamangana s'élance dans la musique professionnelle en intégrant l'orchestre Los Cantina. Plus tard, il s'en va batifoler. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bon, là qui trop. Oh, et si ka ya bino moko ezali te boye ba ke Djonga zuli bino solution. Azu et si ka ya yemoko a ko fandi sa idéologie. Et si ka oyo ba congolais tout ba ko banda ko ya ko kutana na ndenge ya deux fois te. Chez Djonga de. Chez Djonga de. Awa boko kuta biloko nyonso bolinga ka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe lengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisson ya kotumba. Esengeli koyeba ke, chez Djonga de, bafongola ka ko banda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka kase moko. Chez Djonga de, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance elala ka awa nandenge ya defwate. Chaque vendredi, bo banda ko zwa Suzuki Luzub, 4x4, yende muta kosepeli sabino nandenge ya sakanate, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda ko zalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Ba ko banda ko sepeli sabino na makinu ya defuate na ba kunga ya ko sakanate. E pi, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo ko zwa le grand chanteur. Emele alias de Mingongo, yende muta ko ndeko palo la awa, bo ko sentir betue ba ou difference yena. Tele, mone, namiwa, ya nani, chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur, hein, nous te reçons la 50 boîte, la Katakine, chez Djonga, Soko ningo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit non mon mais c'est quoi qui s'enda chef ma mère m'a passé l'enda qui c'est parce que ma mère m'a pas trop sur la vie. Il y a hémorroïdes,
Nesikoyo ko banda ko pakulango ona nzoto abiso ba papa soki ko lingi on mesure ba centimètres non avant banda ko pakula po mo ko loko sisa on ko mesure les sous on ko mona ke box toujours champion on comprend ba question na sona ke si yo on ko so mo sika mo soutenir na Congo kaka na laboratoire mais ya missile et puis et salami na ba nzete ya Congo. Banzete kaka ya Congo. Banzete mususute. Ya Congo nde. Maman na kosi. Ye pa koko si ke. Wana nda gulunga. Eki Borès oyo. Mobile na nga sa ila Borès oyo. Sopo na Borès o te. Me mobile na nga. Toto nizo nga ya kukipi. Omoni ba kiso to presente yo. E salami na ba. Pharmacien Congolais. Docteur Pichu Tonne. Yenu savant. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, nazui formation na université à Kinshasa, na faculté à pharmacie, et puis na sali ba master na niveau ya université Marie Ngouabi, pe na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation ba cosmétique, thérapeutique, naturelle. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA, ou ezali laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est parti de la nzete na biso ya Congo. Qui est nyonso o bozo mona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique o ezo sa la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude ibéné. Et puis qui est o ezo na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire dans la autorisation d'ouverture et dans l'autorisation il y a mis sur le marché le niveau il y a Mboka et puis les bandes il y a Mboka. Mais qu'est-ce qu'on doit toujours produire la CRMTA et puis qu'on peut m'amener à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres salariés qui bissent dans la tradition thérapeute ou la naturothérapeute. Et où il y a Bisso? Awa na laboratoire Mémissi, docteur Pichu Tondele, yé de savoir. Le bito bon sur les salles si fêtes au tien colis l'élo partout dans le monde l'obé dans vos basses au tien l'élo à Paris l'obé à Kine basse au tien à Paris moutetas et nazi au tien le babi et ma meilleure hein les salles si fêtes y a yémei et ma meilleure au tien colis l'élo l'obé d'ozui au yéba Valéria et ma meilleure si ya ou y'a l'ingra vu de loin tiende langana les salles si fêtes au tien l'élo l'obé nazi ayouna. Bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc il y a 5 continents nyonso bobangati soro monika agence fret ou eza ya fondation de salisi ya emamea tabilo ko lelo lobi ozui. Ah emamea quel miracle quel miskit tala kosia photo pesio biso na sapuna fret na biso tuke na markade na Satorus emamea fondation de salisi fret tuke tutie. Biloko na biso wana tukuzwa yango nanga tutseri yango nanga pe tukukutira yango ndako zana conscience ya fret fondation et ma meya tia biloko na yokuna ukuzwa yango na kisasa ukuzwa yango partout ukuzwa pe na poto uti na Amerika ukuzwa na Amerika uti hier na France ukuzwa pe partout uti na Congo ekeni na poto uti kuna ekuzwa makaka et ma meya fondation de salis. Tantôt, il y a une fondation pour que nous puissions avoir une fondation depuis tout à l'heure. Si les autres ont un immeuble, ils ont une fondation. To ebino e mamea fondation fret o fret kabilo kono wapi e ko ti sakabilo ko wapi sanga ba 2 ans 3 ans point koma olembi mais a wande makambu a bata bende to zolinga po makambu e kende liboso o che bilo kono lelo o zinobi o che lelo o zinobi ngala komanda ki net na ngala lobi lelo na zi yango na lati a wi to za musikate na France na France na rima. Bana château rouge va ma comme nazo le bela. Bana château rouge va ma comme nazo le bela. Bisho et ratakate. Frete biloko le mitu kalonde ngozi.